Juste avant le 11e tour des consultations commerciales bilatérales à haut niveau, les États-Unis ont abruptement suggéré que la Chine avait fait machine arrière dans les négociations commerciales, ce qui a été utilisé ensuite comme prétexte pour augmenter les droits de douane de 10 à 25% sur 200 milliards de dollars d'exportations chinoises aux États-Unis. Mais le processus normal des négociations est un échange répété d'idées et d'arguments avant qu'un consensus final ne soit atteint. Étant donné qu'aucun accord n'a été finalisé, comment les États-Unis peuvent-ils accuser la Chine de faire machine arrière? Ce sont plutôt les États-Unis qui reviennent sur leur propre déclaration. Le 19 mai 2018, la Chine et les États-Unis ont publié un communiqué conjoint annonçant qu'ils chercheraient à obtenir un consensus afin d'éviter une guerre commerciale. Mais 10 jours plus tard, la Maison-Blanche a soudainement tourné le dos à ce consensus, annonçant qu'elle imposerait 25% de droits de douane supplémentaires sur un montant de 50 milliards de dollars de produits importés de Chine. En décembre de l'année dernière, les deux parties sont parvenues à un consensus sur la quantité d'achats chinois des États-Unis. Mais Washington n'a pas cessé de demander davantage, en brandissant de nouveau le bâton des tarifs douaniers, provoquant de graves revers aux discussions commerciales. Le monde actuel assiste à des changements comme jamais auparavant, et l'humanité rencontre de nouvelles opportunités de révolution technologique et de transformation industrielle. Mais également une crise causée par les incidents du cygne noir imprévisible et du rhinocéros gris prévisible. La communauté internationale est confrontée à des défis concernant les déficits en termes de gouvernance, de confiance, de paix et de développement. En tant que superpuissance mondiale, les États-Unis ne font quasiment aucune contribution à l'élimination de ces déficits. Au contraire, ils deviennent leur principal créateur. Il est clair que Washington poursuit sa politique d'America First, plaçant ses propres intérêts au-dessus des règlements internationaux, se retirant de différents traités internationaux, provoquant de sérieux dommages aux systèmes multilatéraux et aggravant le déficit en termes de gouvernance mondiale. En 2017, un rapport de recherche sur les litiges de l'OMC a montré que les États-Unis étaient de loin l'acteur le moins obtempérant concernant les règlements de l'OMC. Deux tiers des violations conduisant à l'arbitrage de l'OMC ont été commises par les États-Unis. Le professeur James Owen Sisson, directeur adjoint de l'Institut des relations sino-australiennes de l'Université de technologie de Sydney, a déclaré que le gouvernement américain était sur une voie dangereuse, qui violait les règlements de l'OMC et causera des conséquences graves à l'économie mondiale.